Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'unboxing du calendrier de l'Avent bénéfique, qui est comme ça. Mais il faut que je vous raconte un truc d'abord. En fait, j'ai déjà fait l'unboxing, je l'ai déjà filmé. Sauf que au montage de la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait un bruit constant dans la vidéo, quoi, un bruit d'entour. Et du coup, c'était très pénible. Donc, j'ai décidé, même si j'ai déjà ouvert les cases, en fait, de quand même vous faire un unboxing en vous montrant dans chaque case ce qu'il y avait comme produit. Donc, on commence tout de suite. Donc, le calendrier Benefit, il est comme ça. Il est octogonal. Voilà. D'ailleurs, oui. Il s'ouvre comme ça. Il y a 12 cases à l'intérieur. Et il peut se refermer comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu holographique à certains endroits. C'est sympa. Bon, voilà. Du coup. Les cases, elles sont vraiment dans l'ordre, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que, ben, il y a 12 cases. Voilà, donc c'est parti. Du coup, dans la première case, ici, nous avions... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose, décidément. En fait, dans ce calendrier, on n'a que des mini-formats, des best-sellers de Benefit. Donc, dans la case, cette fois, c'est pour de bon. Dans la case numéro 1, nous avions le Oula, donc le bronzer Benefit, qui est très connu, voilà, le Oula. Vous ne voyez rien. Là, c'est mieux. Voilà, c'est le best-seller de chez Benefit, quoi, c'est le bronzer Oula. Ensuite, dans la case numéro 2, il y avait... Il y avait le mascara They Real, voilà, donc comme ça, c'est ben, un mascara. Dans la case numéro 3, nous avons un crayon à sourcils en teinte numéro 3, donc c'est un marron qui va pour mes sourcils, mais ben, ça conviendra pas à tout le monde, un marron foncé comme ça, un peu chaud en plus. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, dans la case numéro 4, qui était comme ça, nous avions le blush Dandelion. Ben, toujours de chez Benefit, évidemment. Hein. Voilà, le blush Dandelion. Il n'y a pas trop de luminosité là. Mais bon, voilà, un petit blush dans le même format que le Oula. Ensuite, la case numéro 5, c'était le fixateur gel. Un sourcil, donc je l'ouvre parce que ça, je sais que je vais m'en servir. La brosse, elle est comme ça. Voilà. Donc, pareil, un best-seller de ses bénéfices. Mais là, le packaging, je sais pas si c'est toujours comme ça. Il est tout plastifié, genre ça fait un peu cheap, mais bon, voilà. Ensuite, la case numéro 6. Là, la case numéro 6, on a le. The Professional, donc le primer hydratant. De pareil, un mini format. Voilà, le primer hydratant. Ensuite, la case numéro 7, on a le roller lash en format mini. Donc, ça, je suis hyper contente de l'avoir parce que je voulais le tester. Donc, ça, c'est super bien. Ensuite, la case numéro 8, on a. Le professional, donc le primer, mais cette fois pour combler les pores. Voilà, l'autre il était hydratant, celui-là c'est pour combler les pores. Ensuite, la case numéro 9, on a un troisième mascara, c'est le Bad Gal Bang, voilà, comme ça. Donc celui-là c'est un mascara volume, enfin pour le volume. L'autre c'était pour étirer les cils, donc le. The Will, le premier c'est pour étirer les cils. Le roller lash c'est pour la courbure. Et celui-ci, le Bad Gal Bang, c'est pour le volume. Donc ensuite, la case numéro 10, la toute petite case, on a comment dire? Ça s'appelle un volumiseur de sourcils en fait. C'est comme une petite brosse pour donner du volume à vos sourcils. Ensuite, la case numéro 11. La case numéro 11, on a la base de mascara Dare Real, donc de la même collection que le premier mascara qu'on avait eu. Il y a écrit Tinted Primer, donc je pense qu'elle est blanche. Nanana.
Ah non, c'est. Apparemment, c'est un primer à mascara, mais qui est brun. Voilà. Et du coup, la dernière case, la case numéro 12, on a le liner roller lash. Comme ça. Voilà. Donc, pour revenir à ce calendrier, attendez, je vais le fermer. Voilà. Donc, pour revenir au calendrier en général, je vais vous afficher son prix à l'écran parce que là, je ne l'ai pas en tête. Donc, personnellement, c'est un calendrier que j'ai gagné dans une tombola. Je ne l'ai pas payé. Je l'ai gagné en tombola. J'ai joué et j'ai gagné. Et donc, comme j'ai dit, comme je vous l'ai montré, on n'a que des mini formats. Donc, ce sont quand même des beaux formats, surtout ben, les deux poudres avant qu'elles soient terminées. Merci, quoi, on a pris un moment. Ensuite, les deux bases. Ben, en soi, elles sont petites, mais on va pas, enfin, il faut pas beaucoup de bases. Hein, donc, en soi, c'est des bons formats pour essayer. Le crayon à sourcils, alors, je vous ai pas montré, il est rétractable. Voilà. Et donc, ben, ça met une éternité à se finir un crayon à sourcils, donc ça va. Ensuite, le fixateur à sourcils, je peux pas vous dire parce que j'en ai jamais utilisé, donc je verrai bien, mais le format est pas mal. Ça, c'est miniature, donc je pense qu'il en faut pas beaucoup, mais franchement, je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que c'est pas mon truc. Le liner, il a une contenance de 5 ml, donc c'est pas mal pour un liner. Après, moi, j'en mets pas beaucoup, donc je pense qu'il va me durer assez longtemps s'il sèche pas. Et enfin, donc la base de mascara, ben, ça va durer autant que mascara, c'est pareil. Et du coup, les trois mascaras qui sont là, je pense qu'ils vont durer quand même un petit moment parce que ce sont des formats de 3 grammes chacun. Oui, ils font chacun 3 grammes, donc c'est pas mal pour essayer un produit surtout. Et donc, après, s'il y a un produit par exemple qui nous plaît bien, qu'on a terminé, surtout je pense au mascara, parce que c'est, je pense, qu'il va se terminer en premier, ou peut-être la base, on peut le racheter en grand. Donc, ce calendrier, en fait, il est bien pour découvrir les produits bénéfiques si vous ne les connaissez pas déjà. Ce qu'il y a dedans, ce sont des best-sellers de la marque, donc c'est cool pour essayer. Ensuite, bon, c'était un peu risqué pour la teinte du crayon à sourcils, mais. Voilà, il n'y a que 12 cases. Je le trouve un peu cher pour son prix. De moi-même, je ne l'aurais pas acheté. C'est pour ça que j'ai joué à la tombola. Parce que je ne comptais pas l'acheter de moi-même. Et pour les personnes que ça intéresse, il est vendu chez Sephora. Il n'y a pas de rupture de stock, a priori. Donc, s'il vous plaît, si le contenu vous a intéressé, vous pouvez aller le chercher chez Sephora. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!